Très chers frères et sœurs, très chers bénis de Yahweh, toutes les fois que la volonté de Yahweh, qui est le Père, soit faite, que son règne vienne et que celui-ci passe, parce que nous sommes fatigués de ce monde-là, nous lui demandons de nous assister, de nous donner plus de force et d'endurance, de telle sorte que nous puissions tenir le coup face au diable qui nous persécute nuit et jour. Et aujourd'hui, nous allons discuter sur les Noirs dans la Bible. Les Noirs dans la Bible. J'ai toujours insisté, j'ai toujours dit qu'il n'y a pas de Juifs blancs. Il n'y a pas d'Hébreux blancs. Il n'y en a jamais eu. L'Hébreu est venu de Jacob. L'Hébreu est noir. Le juif est noir. Apocalypse 2 au verset 9 le prouve et le dit. On nous fait taire afin de ne pas parler. Oui, parce qu'ils ont la chicotte à la main. Ils ont l'arme pour tuer le corps. Mais ils ne vont pas détruire la vérité. La vérité, nous allons la dire. Jérémie a dénoncé ces étrangers qui, depuis longtemps, usurpaient, depuis longtemps, tentaient de falsifier les écrits, de tripoter l'histoire de l'homme noir. Jérémie l'a dénoncé, essayant d'apporter l'autocritique sur Job 30 au verset 30, quand Job déclare que sa peau est devenue plus noire que le noir. Ou dans Psaume 119 au verset 83, quand le roi David dit devenir comme une outre dans la fumée. Chers frères et sœurs, soyons réalistes, essayons de réfléchir. Je vous mets ces images devant vous. Ces images vont défiler pendant un certain temps. Vous avez des yeux, regardez et réfléchissez. Ici, le noir est affamé. Quand vous regardez, vous voyez bien que la peau est bien noire et que ses cheveux n'ont pas changé et qu'il est noir. Elle est noire, la couleur qu'elle a. Mais ici, vous voyez bien l'homme blanc affamé reste blanc. Il n'y a rien de noir en lui. Il n'y a rien de noir. Il reste blanc. Bien que la couleur se fend un tout petit peu. Mais il n'y a rien de noir. Et donc, si Job était blanc, Job n'allait pas dire que je suis devenu noir plus que le noir. Si David n'était pas noir, il n'allait pas dire qu'il est devenu comme serait une outre dans la fumée. Puisque la fumée, qu'elle soit noire ou blanche, elle noircit, elle ensombrit toujours. Nous avons ici des images, jugez vous-même. Nous allons comparer deux esclavagismes. Le premier et le deuxième. Le premier dans Genèse 15, quand Yahweh dit à Abraham que tes fils iront en captivité. Ses fils étaient partis en captivité, mais ils n'avaient pas de chaîne au cou. Et Yahushua HaMashiach va s'affronter aux faux fils d'Abraham, ces pharisiens, scribes et ces usurpateurs, qui vont dire que nous sommes fils d'Abraham, mais nous n'avons pas été en captivité. Ils n'ont pas été esclaves. Et donc, définitivement, ils n'ont jamais été fils d'Abraham. Et Yahushua a dit, vous êtes les fils du diable, vous êtes les fils de serpent. Et le deuxième esclavagisme, c'est l'esclavagisme quand Yahweh va s'énerver, disant que vous avez allumé la colère, la flamme de ma colère pour des temps indéfinis, parce qu'ils n'ont pas obéi aux lois de Yahweh. Dans Deutéronome 28 au verset 48, Yahweh fait état, Moïse fait état de la traite négrière, de la colonisation, de tous les traitements que subissent l'Afrique et
fait mention de la marque au cou, du joug au cou. Et dans l'histoire de l'humanité, il n'y a eu que le peuple noir qui en a eu. Ces photos-là, ces images-là, ne sont propres qu'aux noirs. Il n'y a pas de blanc qui en a eu. Il n'y en a pas. Mais comme les fils du serpent, ces usurpateurs-là, ceux qui se lèvent à l'œuvre du scribe et de la plume, à l'œuvre du pharisien, aujourd'hui, ils sont en train de sortir d'autres nouvelles Bibles, pour peut-être tout changer, pour peut-être masquer ce que nous sommes en train de dévoiler. Donc, ils vont effacer totalement ces marques-là pour que ça ne soit plus repérable. Mais la vérité, ils ne vont pas l'étouffer. Ça, c'est comme ça. Nous allons d'abord dans Genèse 15. Dans Genèse 15, ici, Yahweh lui-même fait mention d'esclavagisme. Yahweh fait mention d'esclavagisme, mais il ne parle pas de joug au cou. Il ne parle pas de chaîne au cou. Il ne parle pas de chaîne au pied. Mais il fait mention d'esclavagisme. Il parle à Abraham. Il dit à Abraham que tes enfants, ta postérité, ira en captivité pendant 400 ans. Pendant 4 siècles, pendant 4 générations. Et également dans la Bible, nulle part, on voit un Hébreu ayant une chaîne au cou, un Hébreu ayant un joug au cou. Nulle part dans la Bible. Pendant la période, j'insiste bien, pendant la période que les fils d'Abraham, en fait les fils de Jacob, étaient en captivité en Égypte. Et qu'est-ce qui va se passer? Dans Exode 12, Yahweh sort ce peuple, le peuple hébreu qui était en captivité en Égypte. Yahweh les sort. Quand Yahweh les sort, Yahweh va pouvoir dire ceci à Moïse. Les étrangers, les résidents étrangers, les indigènes qui vivent parmi le peuple hébreu, qui vivent parmi vous. Donc Yahweh essaie un peu de différencier le peuple hébreu des étrangers. Puisque la Bible insiste, dit que Yahweh a sorti également une multitude de personnes, une multitude des gens, des peuples, des races vivant sous le ciel. Ce peuple-là, ce multitude de peuples-là vivait en Égypte également. Donc quand le peuple hébreu était sorti, Yahweh a également sorti, a également gracié dans son sein un bon nombre qu'on ne pouvait pas compter des étrangers. Et ces étrangers-là, qui sont-ils? On ne connaît pas. On a justement dit une multitude des gens. Donc, jusqu'alors, on ne connaît pas qui est hébreu. Qui sont ces étrangers? Mais on sait qu'il y a une multitude de gens qui sont sous le soleil, qui vivent sur terre et qui sont sortis de là. Et dans Deutéronome 28, on ne prend pas d'abord Deutéronome 28, nous allons dans Jean 8. Dans Jean 8, Yahushua HaMashiach va s'affronter au fils d'Abraham. J'insiste bien, Yahushua HaMashiach va s'affronter au fils d'Abraham. Finalement, il se rend compte que ce fils d'Abraham-là n'était pas
les vrais fils d'Abraham, c'était des faux. Parce que eux-mêmes, ils ont dit qu'ils sont fils d'Abraham, mais ils n'ont jamais été esclaves. Jamais ils ont été esclaves. Et donc, on se rend compte que ces faux fils d'Abraham-là sont justement les résidents étrangers qui vivent parmi les Hébreux. Sont les indigènes qui vivent parmi les Hébreux. Parce que s'ils étaient fils d'Abraham, ils allaient être esclaves. Parce que dans Genèse 15, Yahweh dit à Abraham, tes fils, ta postérité, ta descendance ira en captivité. Ta postérité, tes fils, tes enfants seront esclaves. Mais ici, dans Jean 8, ces pharisiens, ces scribes et autres disent à Yahushua HaMashiach, nous sommes fils d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves. Et Yahushua, pour les confondre, va dire, vous êtes vous fils du diable. Parce que Yahushua HaMashiach était fils d'Abraham. Hébreu était fils d'Abraham. Juif était fils d'Abraham. Et ils se sont fait prisonniers. Ils se sont fait esclaves. Donc, dire que moi je suis fils d'Abraham, mais je n'ai jamais été esclave, c'est que tu n'as pas été, mais tu étais seulement résident étranger au sein des fils d'Abraham. Et ces étrangers-là, ces indigènes-là, font le tout possible de s'associer au système des fils, des vrais fils d'Abraham et de l'usurper. Ils en font leur propriété en quelque sorte. Ils s'efforcent à devenir eux les propriétaires et à chasser les fils du propriétaire hors du champ. La preuve que ces faux fils d'Abraham, ces usurpateurs, pour établir, pour installer, pour faire asseoir le catholicisme, leur premier pape était noir. Allez sur internet, checkez sur les moteurs de recherche. Vous verrez bien que les premiers papes étaient noirs. C'est bien écrit sur la liste des papes de l'Église catholique. C'était pour l'initiation. Ça vous dit quelque chose? C'était pour faire asseoir la domination. Ça vous dit quelque chose? Et après cela, il n'y a plus eu de pape noir. C'est fini. C'est ça. Quand vous allez diriger des étrangers, au premier moment, vous associez les fils du village, les fils de la terre, les fils du pays. Et par après, vous les écartez un à un pour vous asseoir totalement et dominer, exploiter, usurper, tuer, violer et tout. Et c'est ce qui s'était passé. Et c'est pourquoi ils ont livré Yahushua HaMashiach à la mort. Parce qu'ils ont lutté, ils ont voulu étouffer la vérité qu'il annonçait. Quand nous allons dans Apocalypse 2, verset 9, ici, on parle des vrais fils, des véritables fils d'Abraham, les Juifs. On dit qu'ils sont riches, normalement ils sont riches, très riches. Mais le système des choses actuelles les condamne à la pauvreté. Le système de choses actuelles refuse que eux, ils sont fils d'Abraham. Le système de choses actuelles les rejette, eux, étant pourtant juifs. On ne les accorde pas un instant d'être appelés juifs. Là, c'est dans Révélation. Et petit à petit, nous avançons
avoir la lumière sur ce que nous sommes en train de discuter, à découvrir qui sont noirs dans la Bible. Récemment, je disais que la Bible est un livre propre aux noirs, bien que établi en Occident, mais les tablettes originelles appartenaient à nos ancêtres, volées par les usurpateurs, et d'où la Bible est falsifiée et ne dit pas la vérité totalement, mais la vérité y est. C'est pourquoi Simon Kimbangu disait, lisez la Bible sans cesse afin de comprendre à quel point ces hommes-là nous trompent. D'où il disait, le voleur, on l'arrête avec son objet volé. Et nous allons continuer à lire la Bible, nous allons découvrir ce qui est caché jusqu'à ce que l'Occident, notamment le Vatican, qui est la mère des religions, lève les mains disant, je suis voleur, je vous demande pardon. Parce que dans Job 30, au verset 30, Job lui-même déclare que sa peau est devenue noire, plus noire que le noir. Sa peau est devenue plus noire que le noir. Job lui-même l'a reconnu. Job était noir. Il dit, ma peau est devenue noire, plus que le noir. Dans Psaume 119, au verset 83, le roi David dit devenir comme une outre dans la fumée. Je suis devenu comme une outre dans la fumée. Et la fumée, qu'elle soit blanche, qu'elle soit noire, elle noircit. Et le roi David ici dit, je suis devenu comme une outre dans la fumée. C'est qu'il était noir. Et ici, nous avons ces images-là. Et nous allons dans Lamentations 4, au verset 8. Là, le prophète Jérémie parle des Nazériens ayant l'aspect plus sombre que le noir. L'aspect plus sombre que le noir, c'est qu'ils étaient noirs. Dans Cantique de Cantique 1, au verset 5, on parle d'une fille noire à Jérusalem. Et quand on lit Cantique de Cantique 1, on se rend compte que la fille noire était bien dans son assiette familiale. Contrairement à ce que les gens supposent, que cette fille-là était étrangère à Jérusalem. Non. Elle était de Jérusalem, et même dans les villes africaines, dans les villages africains, il y a de ceux qui ont la peau un peu claire et ceux qui sont vraiment sombres, et ainsi de suite. Donc, cette fille semblait être vraiment noire, un peu sombre par rapport aux autres. Et donc, dire que cette fille-là était étrangère à Jérusalem, le doute est grand, puisque elle était juive et hébreu. Et donc, le doute est grand, comme je dis. Nous avançons un tout petit peu. Nous allons dans Amos 9. Dans Amos 9, au verset 7, Yahweh lui-même dit, le déclare lui-même, Yahweh, je dis bien Yahweh le Créateur, lui-même dit que les fils d'Israël, que les Hébreux sont noirs, noirs, noirs de peau. Et pour comprendre cette histoire-là, il faudra lire Actes des Apôtres, chapitre 7. Là, vous allez bien comprendre cette histoire-là. Dans Actes des Apôtres 21, 37 à 40, on nous démontre que Paul était noir. Paul, l'apôtre, a été confondu à un Égyptien, et l'Égyptien étant noir, définitivement Paul était noir. Dans Actes des Apôtres 13,
22 à 23, on nous montre que David était noir. Puisque Yahushua HaMashiach a été noir, définitivement, David était noir parce que c'est de David qu'est venu le Messie à Israël. Par là, je voudrais bien insister en disant que l'histoire de la Bible ne concerne qu'une famille, la famille d'Abraham, un peuple, le peuple hébreu, et donc le peuple juif, une seule race, et donc la race noire. Et c'est pourquoi j'ai insisté la fois dernière quand j'ai dit que la Bible est un livre propre aux Noirs, usurpé par les Occidentaux, qui ont à l'origine volé les tablettes appartenant à nos ancêtres, qu'ils ont transformé en un livre appelé Bible. Mais l'histoire n'est pas une histoire occidentale, c'est une histoire tout à fait africaine, tout à fait noire. Ça se prouve quand nous allons dans Jérémie 13 au verset 23. Yahweh se demande si un noir peut-il changer la couleur de sa peau. Yahweh le Créateur. Pourquoi n'avait-il pas parlé d'un blanc? Pourquoi n'avait-il pas parlé d'un arabe et autres? Pourquoi seulement d'un noir? Il allait parler d'un rouge, il allait parler d'un jaune, il allait parler d'un blanc, mais il a dit, est-ce que le noir peut changer la couleur de sa peau? Quand nous allons dans Nombre 12, au verset 1, on se rend compte que Moïse s'était marié à une Éthiopienne, et l'Éthiopienne est noire. On ne peut plus compter combien de fois les noirs sont représentés dans la Bible. La reine de Saba, dans 1 Roi 10, verset 1 à 3, la reine de Saba était noire. Et quand nous allons dans Deutéronome 28, nous nous opposons à un mur. Ce mur qui nous dit, mais à qui Moïse parlait? On se pose la question. Mais Moïse parlait à un peuple. Et Moïse parlait au peuple hébreu. Mais quelle était la couleur de ces hébreux-là, finalement? Face à tout ce qu'on est en train de dire, on peut bien comprendre quelle a été la couleur des hébreux. Dans Jérémie 3, versets 23 à 25, ici on montre que ces Occidentaux-là nous ont trompés depuis notre naissance. Ces Occidentaux-là nous ont trompés depuis notre jeunesse. Et ils nous embrouillent avec leur technologie actuellement pour qu'on reste totalement bornés. Dans Luc 1, afin de ne pas laisser ces usurpateurs faire disparaître la vérité, Luc était obligé, en tant que juif, de s'engager à rendre témoignage au sujet de la vérité. Et la vérité qui a été toujours falsifiée par le faux fils d'Abraham. Oui, ce sont les faux fils d'Abraham, puisqu'ils ont même donné des enfants illégitimes à Abraham. Agar était la femme d'Abraham. En fait, la servante de Sarah. Agar a eu à mettre au monde Ismaël. Ismaël qui était le fils d'Abraham, le premier-né. Et Ismaël était noir. Puisque Abraham était noir, Agar était égyptienne, donc elle était noire. Et donc Ismaël était noir. Mais allez dans ces religions-là, posez-vous la question, quelle est la couleur de peau, la race qu'on donne à Ismaël?
Point d'interrogation. Ils s'embrouillent eux-mêmes. Mais nous, on révèle la vérité et on passe. Qui veut se repentir n'a qu'à se repentir. Yahweh est unique et on ne le changera pas. Quoi que vous boudez, vous n'allez pas changer la volonté de Yahweh. Mais celle-ci en est la vérité. Dans Deutéronome 28, au verset 48, ici, on parle bien de la troupe négrière, on parle bien de la colonisation, on parle de tous les traitements inhumains que l'Occident inflige à l'Afrique. On avance un tout petit peu et on arrive dans Jérémie 17, au verset 4. Ici, Yahweh dit à Israël, et donc à l'homme noir, il dit que tu perdras par ta faute ce que je t'ai donné. C'est par ta faute que tu perdras ce que je t'ai donné. Dans Jérémie 22, au verset 10, il dit, « Ne pleurez pas celui qui est mort, mais plutôt pleurez celui qui s'en va, car il ne reviendra plus. » Est-ce que ça ne donne pas l'image de la traite négrière? Est-ce que ça ne donne pas l'image des mouvements, des déplacements que le noir a connus? Lamentation 5 témoigne des traitements que subisse l'Afrique, même en ce temps aujourd'hui. Même l'Afrique actuelle, même ce que le peuple africain actuel subit, Lamentation 5 le témoigne. Dans Ézéchiel 29, 12 à 16, Yahweh dit disperser l'Égypte, et donc je dirais le noir, pendant 40 ans. Or, l'Afrique a connu 400 ans d'esclavagisme. Ceci n'est-il pas prophétique? Maintenant, nous allons discuter un tout petit peu. Certains se disent que l'Afrique, que l'homme noir est sujet de la malédiction de Cham. La malédiction de Cham, la malédiction de Nimrod. Moi, je dirais que la malédiction de Cham n'est pas, la malédiction de Nimrod n'est pas. C'est pas ça le problème. Le problème de Cham, le problème de Nimrod, c'est un problème de famille. Mais le problème est au niveau du Deutéronome 28. Regardez par exemple dans Deutéronome 28 au verset 68, on parle de l'esclavagisme moderne. Aujourd'hui, les jeunes Africains, les Noirs eux-mêmes vont dans des pays occidentaux. Eux-mêmes vont en aventure. Mais quand ils arrivent, il n'y a plus de preneurs, on ne les vend plus. Il n'y a personne qui les nourrit. Ils doivent se nourrir eux-mêmes. Ils doivent payer les factures eux-mêmes. Ils doivent payer les taxes et autres eux-mêmes. Ils sont abandonnés à eux-mêmes, à leur propre charge. Mais c'est dit dans Deutéronome 28 au verset 68. On va vous parler du crocodile, on vous parle de l'hippopotame. Mais l'hippopotame, c'est un animal d'origine africaine et ne vit qu'en Afrique. Le crocodile, c'est africain. Qu'est-ce que vous cherchez pour comprendre que l'on vous trompe? Qu'est-ce que vous cherchez? Jérémie a dit, depuis la naissance, on nous trompe. Jérémie dit, nous avons pour couche la honte. Parce que nous avons désobéi à Yahweh. Nous avions désobéi à Yahweh. Mais jusqu'à quand n'allons pas nous comprendre cela? Jusqu'à quand les gens resteront aveugles? Jusqu'à quand ne vont-ils pas vraiment comprendre que, oh Yahweh, aie pitié de ce peuple-là. Je vous appelle à vous repentir. Je vous en prie, repentez-vous. Rien sur terre ne vous sauvera, rien, personne. Mais il n'y a que Yahweh qui peut vous sauver. Je vous le dis en vérité, j'insiste. Et vous le savez sous d'autres formes. Vous croyez que c'est Dieu, c'est pas Dieu. Il n'existe pas.
Vous êtes en train de rêver qu'un Jésus blanc va vous sauver. Un Jésus blanc ne pourra jamais vous sauver. Il n'a jamais existé, il n'existe pas. Même dans les cieux, il a son teint bronzé. Il est noir. Alors, combien de fois il vous faut parler? Combien de fois? Éveillez-vous. Nous allons faire une petite pause. Et vous regardez cette vidéo d'un frère que j'ai pris au hasard comme ça sur Internet. J'ai été flatté, franchement. C'est des choses que moi-même, j'ignorais. Je vous mets cette vidéo-là. Vous allez la regarder. Sinon, c'est de la mauvaise volonté. Alors, j'ai ce livre-là où il y a un certain nombre d'icônes. Voilà. Icônes. Ce sont les icônes russes orthodoxes, mes chers compatriotes. Hein? Avec sur, en couverture l'archange Michel. Hein? Il a l'air un petit peu métis, hein? Mais on dirait que ça a été un peu déteint. Originellement, peut-être c'était noir, peut-être. Enfin bref, enfin marron. Hein? C'est pas noir, c'est marron. Ah non, mais attends, il y a tellement de racistes aussi. Il faut que je fasse des vidéos comme ça, quoi. Il faut rétablir la vérité. Hein, parce que moi, j'aime pas les gens de mauvaise foi là, qui disent « Mais ça n'a pas d'importance, le Rasta président. Il faut combattre pour l'humanité. » Petit bourgeois youtubeur. Vous me la ferez pas, celle-là. Petit français bourgeois, là. Alors, regardez dans ce livre. Je vais même pas argumenter avec vous, les petits français bourgeois, là. Alors, regardez. La Vierge Marie. La Vierge Marie. Avec le Christ. Black. Black. Hein? Et c'est qui là? Des saints ou des hébreux ou des anges, vous voyez? Black. On voit même les cheveux afro. On voit les traits afro. Vous voyez? Là. Église catholique romaine raciste. Regardez ça. Les hébreux étaient black. Sur les premières icônes, le Christ, la Vierge Marie, Yamon, là encore, la Vierge sur son trône, regardez, regardez les Hébreux, comparé avec ma couleur de peau. Comparé, hein? Non mais parce que avec votre degré de racisme et avec votre endoctrinement de l'éducation nationale, je suis obligé de faire ça. Non mais je suis obligé, on est au 21e siècle et je suis obligé de faire ça, quoi. De montrer, regardez ma peau, je suis un peu basané, métisse, peau beurre ou arabe, je ne sais pas trop, métisse, voilà. Et je suis obligé de comparer, quoi. Bon, j'aurais pu prendre un copain blanc, caucasien, pour faire ça. L'annonce faite à Marie. L'annonce faite à Marie. Regardez l'ange Gabriel. Regardez l'ange Gabriel. Black man. Regardez. Yeah. Regardez Mary. Regardez. Yeah. Black woman, black attitude, black is beautiful. Regardez ses mains, marron, hein, marron, on va pas dire. On va pas dire noir, c'est pas exact. Je compare encore une fois avec avec ma couleur de peau, avec mon teint. Regardez, c'est ridicule, mais je suis obligé de le faire. Je suis obligé pour vous. Pour vous sauver, vous les Français, de votre église catholique. Franchement, si ça vous ne fait pas renier et apostasier l'église catholique, je sais plus quoi faire, quoi. Regardez, naissance de Marie. Hein, naissance de Marie. Regardez. La mère de Marie. Black woman.
African woman, yeah, African style. Regardez, regardez la petite Marie là. Regardez, c'était un peuple afro, un peuple afro, yeah. On va voir quoi là. Mort de Marie, regardez la mort de Marie. Regardez Marie. Black woman. Regardez, regardez autour les Hébreux. Regardez les Hébreux. Franchement, essayez d'être un peu honnête envers l'histoire, envers vous-même. Ça vous fait chier, hein. Je sais que c'est que certains, ça les fait chier de voir ça, quoi. Ouais, ça les fait chier qu'on dise la vérité, mais il faut le dire, quoi. Regardez, le Christ. Là, avec, c'est représenté l'âme de Marie encore, qui tient l'âme de Marie. L'ange. Je sais pas quel ange, mais ils sont tous black. Marron. Voilà, si ça peut. Ça peut vous rassurer, hein, une image parle mieux que 1000 mots. Les disciples du Christ, voilà. Ouais, les Hébreux du temps du Christ. C'est pour ça que le Christ est allé se cacher, ses parents sont allés se cacher. Voilà encore, c'est le Christ. Christ, le Christ comme grand prêtre. Christ Pantocrator, comme grand prêtre. Ça serait été peint. En regardez, hein. Il y en a qui sont peintes 1743. Celle que je vous ai montrée au début, elle a été peinte du vivant du Christ, hein, selon la tradition. Bon, des fois, ils disent 1743, et ils savaient que c'était des blagues. Hein. Regardez. Hey! Regardez. Regardez ses mains. Et là, regardez les Hébreux. Dreadlocks, natty dreadlocks, Afro dread, yeah man, big dread man. Le Christ comme grand prêtre. Yes. Comme ça, hein. Regardez là, on a quoi? Christ sur le parvis des enfers. On n'a que des blacks. Que des afro-blacks. Regardez. Ah, ça me fait rigoler, quoi. Église catholique démoniaque, franchement, qu'est-ce qu'ils nous ont? Icône avec large présentation des jours de fête. Alors là encore, voilà. Voilà. Voilà le peuple hébreu. Voilà le peuple hébreu. Tous des Africains. Regardez. Et qui est-ce qu'on trouve aujourd'hui dans les églises catholiques à fond? Des Antillais, des Africains. Ils savent pas que c'est leurs ancêtres qui ont écrit la Bible. Mais il y en a qui commencent à se réveiller, hein. Vous inquiétez pas pour ça. Saint Georges, le tueur de dragons. Bulgare serbe, première moitié du XVIIe siècle. D'ailleurs, j'ai entendu selon certaines sources à vérifier qu'il y a pas mal de Serbes qui seraient descendants d'Israélites, et qui ne le savent pas d'ailleurs eux non plus, qui ont été déportés là-bas par, je crois, les Byzantins, une histoire comme ça, mais bon, à étudier encore. Vous voyez, Saint Georges, le tueur de dragons. Saint Georges. Vous pouvez vérifier avec ma couleur de peau. Saint-Georges.
partir de là, il y a pas mal de. Il y en a pas mal que je veux vous montrer. Donc voilà, encore Saint-Georges. Saint-Georges. Saint-Georges, le tueur de dragon. Saint-Georges, avec ici, on a accompagné en featuring hein, des personnages bibliques, des saints, des anges, tous marrons, tous marrons. Et ouais. Mais Rasta président, on s'en fout de la couleur de leur peau. Ce qui compte, c'est le message. Ah, alors voilà. Pour au moins faire plaisir à quelques-uns, quelqu'un qui est un peu typé, bon, pas encore tout à fait blanc, un petit peu arabo ou. Voilà, l'archange Michel, cette fois typé. Ah non, parce que attends, après, si on montre que des blagues hein, dans les icônes, hein, on va dire que je suis. Que je suis raciste ou je sais pas quoi. Non, non. Voilà, l'archange Michel, beaucoup plus clair de peau, qui sonne de la trompette, avec là-haut toutefois, dans une soucoupe volante, un ange black qui supervise quand même le travail. Hein, bon. Ben, je ne sais pas si c'est un ange ou si c'est le Christ. Hein, on voit une espèce de soucoupe. Intéressant. 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 Alors Jean le Baptiste, hein, un petit peu plus foncé que moi, un petit peu plus foncé, avec des locks, regardez, il a des locks sur la barbe. Dreadlocks, dreadlocks sur la barbe. Yeah. Dre, Natty Dre, now. Icône multiple. Russie, deuxième moitié du XVIIIe siècle. Icône multiple. Voilà, le peuple hébreu. Le peuple hébreu. Voilà. Dieu le Père, regardez, Dieu le Père. Même Dieu le Père est black. Même Dieu le Père. Le fils. La Vierge Marie ici. Enfin, la Vierge. Elle n'était pas vierge, hein, ça encore, c'est des bêtises. Regardez. Regardez le peuple. Le peuple israélite. Voilà, mes chers compatriotes. C'est ça, quoi. C'est ça. On pourrait continuer, continuer, continuer. Je pense que vous en avez eu hein, pour votre journée. Voilà. Je disais que qu'est-ce qu'il vous faut pour vous ouvrir les yeux? Qu'est-ce qu'il faut pour que vous puissiez comprendre? Qu'est-ce qu'il faut faire? Les images elles-mêmes parlent. Le message biblique est clair. Clair, clair, clair. Mais elle vous bouche l'intelligence simplement parce que vous allez étudier ce message-là, quand vous en faites une théologie, quand vous en faites des sciences d'entraînement, de répétition, je ne sais pas quoi, vous vous aveuglez. Yahweh vous envoie un esprit d'égarement. Repentez-vous. Yahushua HaMashiach s'est affronté au faux fils d'Abraham, les usurpateurs, qui se sont dit, nous sommes fils d'Abraham, mais nous n'avons jamais été esclaves. Oui, parce
parce qu'ils n'ont jamais été fils d'Abraham. C'est vrai que ça ne peut pas se prouver parce qu'en fait, là, il n'y avait pas de marque distincte. Donc, ils pouvaient s'autoproclamer fils d'Abraham, mais dans Deutéronome 28 au verset 48, Yahweh fait état, en fait, Moïse fait état de la traite négrière, de la colonisation, de tous les traitements que subissent l'Afrique et fait mention de la marque au cou, du joug au cou. Et dans l'histoire de l'humanité, il n'y a eu que le peuple noir qui en a eu. Ces photos-là, ces images-là, ne sont propres qu'aux noirs. Il n'y a pas de blanc qui en a eu. Il n'y en a pas. La vérité, ils ne vont pas l'étouffer. Ça, c'est comme ça. C'est vrai que nous ne jetons pas à vendre des livres. Nous parlons, mais de grâce, il y a au moins des instruments qui nous aident à enregistrer ces paroles-là. Nous les mettons sur YouTube pour que les gens s'informent, pour que ceux qui peuvent garder en garde. Nous n'allons pas vendre, nous n'allons pas tomber dans le piège du diable. Non. Et donc, ces images, je dis, sont propres aux noirs. Il n'y en a pas eu de blancs avec corde au cou, avec joug, avec fer au cou. Mais regardez, ces images-là témoignent. Donc, qu'on ne nous trompe pas. Les prophètes ont parlé, ils ont insisté. Et si vous regardez du début à la fin, la Bible est noire. Mais puisqu'elle exprime le salut, celui qui veut survivre n'a qu'à vénérer, n'a qu'à croire au créateur de la Bible, au créateur dont moi je parle, j'insiste. Ce n'est pas une façon d'être orgueilleux, d'être hautain ou d'être un peu trop radical. Non, c'est la vérité. Moïse n'a jamais été tendre quand il parlait. Yahushua HaMashiach n'a jamais été tendre quand il parlait. Jérémie n'a jamais été tendre quand il parlait. Mais qui croit va survivre. Et ce message est un message universel. C'est pour que le reste du monde sache que le monde a été longtemps trompé et les usurpateurs, nous les connaissons. Ils nous ont présenté un Moïse blanc. Ils nous ont présenté un Jésus blanc, Abraham blanc, Job blanc. Non, c'était tous des noirs. Et la Bible le dit. Les écrits sont là. Maintenant, si vous allez suivre Yahweh, vous allez prier puisque le salut est individuel. Priez pour votre salut. Priez pour vos péchés. Maintenant, si vous dites que non, mais puisque c'est un créateur qui n'a fait faveur qu'aux noirs, je ne le prierai pas. Vous vous condamnez vous-même. Quand le soleil sort, il ne sort pas seulement que pour les noirs. Quand la lune ne sort pas que pour les noirs. L'air que nous respirons est là pour tous. Le vent souffle pour tout le monde. Continuez à prier. Priez sans cesse. Priez dans le secret. Priez en vérité. Arrêtez d'aller à l'église, j'insiste bien. Tant que vous ne faites pas ce que je vous dis, vous ne serez pas sauvés. Je vous le dis et j'insiste. Ce n'est pas la couleur de peau, la race de Yahushua qui sauve. Mais c'est croire en Yahushua HaMashiach, c'est croire en Yahweh qui est le Père. Créateur, Yahweh, lui qui a envoyé tous les prophètes, c'est croire en lui qui sauve. Maintenant, si vous dites que qu'il soit blanc,
ou noir, peu importe. Moi, je vous dirais, vous tapez à côté. Vous devrez le connaître. Et le connaître, c'est savoir qu'il est noir. Le connaître, c'est savoir accepter la vérité qui est normalement écrite dans la Bible, que malheureusement, sous les yeux, bouchés par la corruption, que les pauvres pasteurs, prêtres et autres ne voient pas. La vérité est que, il est dit, le juif d'abord, puis le grec. Le juif d'abord. Pourquoi le juif d'abord? Mais le juif, c'est une race, c'est une couleur, un peuple. Même dans Apocalypse 2 au verset 9, il est bien dit que ceux qui ne reconnaissent pas en vous que vous êtes juifs, ces hommes de ce système de choses qui vous ont condamné dans la pauvreté alors que vous êtes riche, pourquoi alors lui voudra différencier cela? Pourquoi Yahweh dira que les étrangers qui sont parmi vous, la couleur, elle est importante. Mais si vous voulez survivre, si vous voulez manger à la table, ne fût-ce que même les miettes qui tombent à la table de Yahweh, vous allez croire en Yahweh. Et Yahweh, c'est le Créateur dont je parle. Et c'est pourquoi Simon Kimbangu disait, lisez la Bible sans cesse afin de découvrir qui nous trompe. Afin de découvrir le faux créateur, l'imaginaire que ces Occidentaux-là nous ont apporté. De nos jours, la confusion, elle est grande. Oui. Mais si vous laissez aller dans cette confusion-là, vous serez perdu. Regardez Yahweh. Priez à la maison. Priez dans le secret. Repentez-vous. Détournez-vous de Dieu. Dieu n'existe pas. Il est dit, Dieu signifie esprit, omniscient, omnipotent, omniprésent. On dit un esprit. C'est du mensonge. Yahweh est un homme. Il est un roi. Il vit dans les cieux. Yahweh a le corps. Il a le sang, il a la chair, il a les os, il mange, il va aux toilettes, il est un roi. Il vit dans un lieu fixe, dans un palais, dans les cieux. Alors vous, on vous a présenté un créateur imaginaire, soi-disant appelé Dieu, qui est esprit omniscient, omnipotent, qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas toucher, à qui on ne peut pas parler, et tout ne se passe que par l'imagination. Mais on vous trompe. On vous trompe. Et vous continuez à suivre ce petit Dieu-là, ce Dieu imaginaire, et finalement, il vous bombarde toutes les images en blanc. Oui, d'accord, c'est bien. Mais nous connaissons la vérité. Nous sommes des bénis de Yahweh. Ils vont se lever pour nous menacer. Ils vont se lever pour nous freiner. Comme autrefois, ils nous ont forcés à officialiser ce message-là. Et nous sommes laissés aller dans cette pression à produire un livre qu'on a vendu pendant près d'une année. Et Yahweh à frapper sur la table pour nous dire arrêtez, vous êtes en train de vous mettre dans le même sac que ces fils du diable, que ces fils de serpent, que ces méchants-là. Sortez de leur milieu. Sortez du milieu d'eux. Et nous sommes sortis en vitesse. Nous avions arrêté de vendre ce livre-là. Nous avons demandé à l'éditeur d'arrêter
on n'en a pas besoin, on n'en a non plus besoin. Et nous nous sommes lavés les mains. Nous sommes les bénis de Yahweh. Et c'est pourquoi j'ai toujours prié aux frères et sœurs qui m'écoutent de par le monde. Arrêtez de vendre la musique religieuse. Si vraiment vous chantez pour la gloire de Yahweh, alors ne vendez pas la musique religieuse. Ne vendez pas le livre. Le message ne se vend pas. Quoi qu'il arrive, tout est gratuit. Vous avez reçu gratuitement, alors donnez gratuitement. Vous allez dire, mais ce sont mes efforts, mes droits d'auteur. Oui, mais ces droits d'auteur-là sont faits pour vous corrompre. Ces droits d'auteur-là sont faits pour vous emmener dans la perdition totale. Maintenant, si vous voulez réclamer les droits d'auteur, faites-le selon le monde. Faites-le selon votre nom. Ne le faites pas au nom de Yahweh. Maintenant, si vous faites au nom de Dieu, oui, là ça passe. Parce que Dieu est d'abord corrompu. Dieu d'abord n'existe pas. Dieu ne vous sauvera pas. Non, pas du tout. Dieu ne vous sauvera pas. Donc vous pouvez chanter sa gloire. C'est une gloire à la vitesse occidentale qui finira au bout du feu. Mais Yahweh est la vie, Yahweh est le chemin, Yahweh est le pouvoir, Yahweh est la gloire. Et avec Yahushua, nous nous levons. Et j'insiste, je dis ceci, repentez-vous au nom de Yahweh. Et quand vous repentez au nom de Yahweh, oubliez tout ce qui est de Dieu. Priez à la maison, n'allez plus à l'église, arrêtez d'aller à l'église. Maintenant, si vous rassemblez en communauté, si vous rassemblez en groupe, vous louez Yahweh, que la joie, la paix, l'amour soient au milieu de vous pour cet instant-là. Mais n'en faites pas l'habitude comme serait une église de bâtiment ou je ne sais pas quel mouvement, sinon le diable va vous entraîner dans la perdition totale parce que tout ce qui se rassemble au nom du diable. Je vous le dis en vérité. J'insiste, à l'heure où nous parlons, au moment où nous sommes, en ce temps de la fin, tout ce qui se rassemble dans une église faite en bâtiment, dans une synagogue, dans une maison, je ne sais pas quoi, fait uniquement pour célébrer un culte, ceux-là se rassemblent pour la gloire du diable. Mais ceux qui se rassemblent pour la gloire de Yahweh le feront occasionnellement et régulièrement, ils le feront en secret. Parce que Yahweh qui est dans le secret, lui qui voit dans le secret, donne dans le secret. Je vous en prie de comprendre que celle-ci en est la vérité. Ça doit choquer des gens. Ça doit faire du mal à certains. Oui. Moi, je ne suis pas tendre. Je ne connais pas comment être tendre. Je veux bien apprendre, mais sinon, je serai corrompu. Sinon, ce sera la corruption. Et devant Yahweh, il n'y a pas cette flexibilité-là. La vérité, on est la vérité, il faudra la dire. Alors, vous allez vous courber devant Yahweh ou vous n'allez pas vous courber, c'est votre responsabilité. Yahweh a béni et a élevé des prophètes noirs. Les prophètes ont été noirs. J'insiste bien, les prophètes précités dans la Bible. S'il y en a eu ailleurs, de par le monde, je ne sais pas. Moi, je parle de la Bible. Parce que celle-ci a été totalement
usurpée de l'Afrique. Et j'insiste, l'Occident n'a jamais eu des prophètes. Et jamais un prophète ne va se lever en Occident. Je le dis, j'insiste. Il sera un trompeur, un menteur, un voleur, un escroc. Et c'est pourquoi on les voit longtemps parler. Ils finissent par vendre des livres. Ils finissent par prendre de l'argent. Ils finissent par avoir des églises de bâtiments. Justement parce qu'ils rêvent rouler en grosse voiture et autres. Être bien. Et ils se disent, oh, avec cet argent, je peux bâtir une maison, un hôtel en Afrique. Ils rêvent. Yahweh va tout détruire de ce que vous rêvez. À Jérémie, il avait dit, tu n'auras pas d'enfants sur cette terre-là. Et à vous, il vous observe avec colère. Je dis bien une ardente colère. Continuez de tromper, d'égarer le peuple vivant, le peuple de Yahweh. Mais moi, sur mon chemin, je vous appelle à la repentance. Nombreux n'aiment pas ma langue, ma façon de parler. Ils trouvent que je suis un peu trop brut, trop violent, trop méchant. Et ça, c'est ce qu'ils avaient voulu faire à Amos. Ne parle pas, ne prêche pas ici, c'est la ville du prophète. Quel prophète? Le faux prophète, le prophète de Baal, le prophète de Dieu, le prophète d'un esprit omniscient, omnipotent, omniscient, omniprésent, omnipotent. Le faux prophète. Et c'est ce qu'ils veulent faire également chez nous. Ils veulent nous empêcher de parler. Mais jusqu'à quand allons-nous taire alors que la vérité, elle est là? La vérité crie, nous fait mal aux oreilles. Nous devons parler, nous devons la dire, nous devons nous exprimer. On veut nous faire taire parce qu'ils ont des armes. On veut nous faire taire parce qu'ils ont l'argent. On veut nous faire taire parce qu'ils possèdent le pouvoir. Mais nous ne gênons pas leur pouvoir. Nous parlons de ce qui est vivant, de ce qui est réalité, de ce qui est la vérité. Et on ne va pas nous empêcher de parler, nous allons parler. Nous allons parler au nom de Yahweh, nous allons dénoncer le mal. J'insiste, je le dis en vérité, nous allons dénoncer le mal. Et le mal, c'est cette corruption de nous faire comprendre que Yahweh n'existe pas, mais que c'est Dieu qui existe. Ça, c'est la corruption. Au contraire, Dieu n'existe pas. Dieu est un esprit omniscient, omnipotent, un faux créateur venu de l'Occident. Mais Yahweh dit que c'est par le vent du midi que je sortirai, par l'ouragan du midi que je ravagerai le monde. Et nous sommes là, nous nous levons, nous crions, nous disons, repentez-vous. Que vous soyez de l'Orient, que vous soyez de l'Occident, que vous soyez du Midi, du Septentrion ou je ne sais d'où, repentez-vous au nom de Yahweh. Je vous le dis en vérité, parce qu'il va ravager. Et il est là, à la porte de la terre, lui et son armée. Et vous le savez bien, en vérité. Et Yahweh dit qu'il viendra par l'ouragan du midi. Qui dit le midi, dit l'Afrique. Pourquoi n'a-t-il pas dit qu'il viendra par l'ouragan de l'ouest? L'ouragan de l'est, ou je ne sais pas d'où. Mais il dit l'ouragan du midi. Pourquoi a-t-il choisi le midi? Et qui dit l'Afrique dit le noir. Ce n'est pas une façon de s'enorgueillir. C'en est que la vérité. Mais vous, vous ne prenez pas conscience. Vous, je ne sais pas si vous lisez à l'envers. Vous ignorez qui vous êtes. Et vous suivez cette théorie
Des pharisiens et scribes qui se sont laissés à l'œuvre de la plume en voulant changer l'histoire vraie, authentique de la foi. Et maintenant que l'on vous apprend la vérité, vous ne l'acceptez pas. Mais ah, donc, vous êtes voués à la destruction, vous êtes des méchants, vous êtes des fils du serpent. Vous avez bu de son sang. Yoshua Hamashia, c'est vous-même qui le dites. Yoshua Hamashia a beau crier, je suis le lion de la tribu de Juda. Le lion. Mais où est-ce qu'on trouve le lion? C'est pas en Afrique? C'est pas en Afrique qu'on trouve le lion? On peut en trouver en Inde. Mais les Indiens n'ont pas connu Yahushua HaMashiach. Les Indiens ne prient pas Yahushua HaMashiach. Samson, le roi David, ces hommes valeureux s'étaient battus avec des lions. Mais les lions sont en Afrique. Qu'est-ce que vous attendez pour comprendre? Qu'est-ce qu'on va vous dire? Qu'est-ce qu'on va vous dire? Comment est-ce qu'on va vous éduquer? Comment est-ce qu'on va vous parler? L'essentiel, c'est ce que nous sommes en train de faire, nous, bénis de Yahweh. Il y a certains frères également qui se lèvent, qui crient parce que l'éveil est là déjà. Saisissez cette occasion, vous ne voulez pas saisir l'occasion. Vous attendez que vous soyez dans la perdition totale? Vous attendez la troisième guerre mondiale quand vous allez vous cacher sous les lits? Dans des cachettes, je ne sais pas, ça et là? C'est à ce moment-là que vous allez prier dans le secret? C'est à ce moment-là que vous allez dire, mais d'où viendra le salut? Mais je vous le dis en vérité qu'en ce moment-là, vous allez chercher Yahweh ne viendra pas vous assister. Parce que Yahweh ne vous connaît pas, vous ne le connaissez pas. Et vous allez attendre votre Dieu, votre soi-disant Dieu, Esprit omniscient, omnipotent. Malheureusement, il ne va pas vous assister puisqu'il n'existe pas. Malheureusement, il ne va pas vous assister puisqu'il n'existe pas. Vous allez attendre votre Jésus blanc, aux cheveux mous et longs, aux yeux verts, venir sur les nuées vous assister. Il ne viendra pas puisqu'il n'existe pas. Mais Yoshua HaMashiach, au teint bronzé, viendra. Mais Yahweh, au teint bronzé, accompagné de toute l'armée des cieux, viendra. Et donc je dirais, les Elohim viendront. Et j'insiste, Yahweh c'est l'unique qui sauve. Je le dis en vérité. Et si vous ne le croyez pas, vous êtes perdu. C'est pas moi, c'est Yahweh. Yahweh voudrait que vous puissiez vous repentir. Repentez-vous. L'heure de repartir dans la maison de Yahweh est arrivée. Ce n'est plus l'heure de traîner dehors parce que dehors il y a le lion qui tourne. Et le lion est affamé. Et il va dévorer tout ce qu'il va trouver sur son chemin. N'oubliez pas que vous avez du sang dans votre corps. Et le lion aime le sang. Le lion aime la chair. Vous êtes fait de chair, vous le savez. Alors fuyez. Fuyez sans cesse. Repentez-vous. Allez dans la maison de Yahweh. Sortez de la maison de Dieu. Sortez du milieu d'elle. Oui, sortez du milieu de Babylone la Grande, du milieu de Dieu. Allez dans la maison de Yahweh. Venez dans la maison de Yahweh. Et la maison de Yahweh vous appelle à prier dans le secret. Amen. Et pour aujourd'hui, je m'arrête là. Pour aujourd'hui, j'insiste, je m'arrête là. Que Yahweh vous bénisse, que Yahweh vous protège, que Yahweh vous garde, qu'il vous donne la connaissance. Bien donc,
je vous quitterai par ces mots et donc je dirai Amen. Jésus avait dit, je suis le Fils de l'homme. Il n'avait jamais dit, je suis le Fils de l'Esprit, n'est-ce pas? Faut réfléchir. Faut réfléchir. Quand on vous dit la vérité, vous boitez parce que vous marchez sur des épines. Je comprends votre doute. Je le sais. Mais Yahvé fera que vous l'acceptez. Même si vous la refusez, elle est une vérité. Elle va vous percer. Elle va vous toucher. Vous avez des yeux voilés, ouvrez vos yeux, le cerveau. L'heure est arrivée pour vous repentir. Je répète et j'insiste. Jésus-Christ disait que le salut vient du Juif. Jésus, qui est votre Seigneur et Sauveur, disait que le salut vient des Juifs. Vous avez des yeux voilés. Ouvrez vos yeux, le cerveau. L'heure est arrivée pour vous repentir. Je répète et j'insiste.